Un avion d'Air France en provenance de l'île Maurice et à destination de Paris a atterri d'urgence dans la nuit de samedi à dimanche à Mombasa au Kenya. C'est une alerte à la bombe provoquée par un objet suspect qui a suscité un atterrissage forcé. En Côte d'Ivoire, les habitants de Grand Laou, au sud du pays, sont victimes de la montée des eaux. C'est une ville reconnue comme un important réservoir de ressources halieutiques. Les habitants attendent un appui des bailleurs de fonds pour arrêter la progression de l'eau. Et puis en Algérie, c'est la ministre française de la Justice Christine Taubira qui est en visite officielle. Elle a rencontré ce dimanche son homologue algérien Tayeb Lou.